J'arrive à appliquer la crème sans huile, c'est ce que je mets après le savon masque au lait de chèvre. Je crois que t'en as mis un peu beaucoup, mon amour. Hein. Mais non, tu dis ça parce que t'es énervé, bébé. Je suis pas énervée, t'es bizarre, toi. Si, t'es énervé. Pourquoi? Parce que t'as tes règles. Mais non, je les ai pas encore. Ah oui, je suis en phase de les avoir, du coup, mais c'est encore pire. les symptômes commencent. J'aime trop cette crème, elle est trop bien. Juste fais attention à mes sourcils. Donc ça c'est pour hydrater et limiter l'excès de sébum, surtout qu'en ce moment il fait hyper chaud. Ça évite que la peau justement fasse l'apparition de boutons. Merci. Ah, tu l'as bien appliqué. Donc elle lisse le grain de peau, elle est trop bien. Et surtout, elle provoque pas d'excès de sébum, donc ça limite l'apparition de boutons. Elle fait vraiment une peau de bébé. Bon, on va faire un jeu. Du coup, tu sais ce que c'est? Depuis tout à l'heure, je lui dis bien, on va faire un jeu. Il me dit quoi? Quel jeu? Ben. Vas-y, on va faire un jeu. Je vais te poser des questions. Et t'as pas le droit de te tromper, sinon ça va mal aller pour toi. Vas-y. Quelle est ma date de naissance? 25 août 93. Je suis née où? Pas à Paris. T'es née en France. Pourquoi tu me fais un câlin? Est-ce que je t'aime? C'est sérieux, tu te rends Non, compte? c'est un truc Booba, il le paumé dit dans là, ses c'est un sons. truc paumé. Mais Booba, il le dit dans ses musiques. Meurthe et Moselle. Ah voilà, un truc paumé, frère. Bah oui, ok. Et Vas-y. j'habitais où avant d'arriver à Dubaï? À Paris. Oui, et avant, en région parisienne, où ça? C'est pas. Attends. C'est pas Aubervilliers. Attends. Le mec, il Comment m'a ça mis à s'appelle? 100 sens, en détente. Attends, je sais plus comment ça s'appelle. Ne me dis pas. À chaque fois, je confonds Aubervilliers et ça. Et c'est. Ça finit par y est dedans et comme ça. Non, pas Non? vraiment. Ok, bon. Genevilliers? Non, Non. pas du. Non, mais collé. Bref, Argenteuil. Argenteuil, voilà. Ok. Eh bien, c'est à côté de Genevilliers. Ok, quel âge a ma mère? Fais gaffe. Là, à tout moment, le snap part en couille. Elle a 50. 56. Oh, elle va être contente. Non, 59. Même toi, tu sais pas. 59! Elle va avoir 59. Elle est 61? 62. Donc, elle Eh va ben, avoir. elle va pas avoir ses gosses. Attends. Mais si, c'est bon. Quelle est ma couleur préférée? Le rose. Non. Le noir. Oui, en habit. Mais sinon? Le rouge. Oui. Ma marque préférée? Misguided. Oui, c'est vrai, je commande tous les jours des paniers sur Missguided. Vas-y, pose-moi des questions. J'ai quel âge? En fait, j'ai peur de me tromper maintenant que tu m'as mis un coup de pression. J'ai quel âge? T'as 28. Je rigole, c'est bon, t'as eu 29 et tu vas Non, sur c'est tes une 30 mytho, je ans. suis sûr que tu t'es trompé, tu as fait genre. Mais non, c'est parce C'est que juste grave, avant, j'ai assume, mal répondu à une assume. question et du Non, coup, j'avais peur de me planter. Ça va, t'as eu 29 ans il y a un mois et tu vas avoir 30 ans dans un an. Ok, comment s'appelle ma petite soeur? Chiara. Ok, comment s'appelle mon frère? Jérémy. Ok, quel âge a mon frère? Wesh. Comment ça, wesh? 34. Non. 32. Ouais. 30, oui. 32. Je savais que c'était 32, 34. Ouais. Mais parce que moi je lui donne moins, donc j'ai réfléchi à lui donner le bon âge. Ok. Comment s'appelle mon salon de coiffure? Jérémy, ça m'a coiffé. Tu as de la chance, hein. C'est vraiment tout au pif, tu réponds tout au pif. Non, je fais des déductions intelligentes. Ok. Quel âge a mon chat? Ton chat, Oui. il a 100 ans au moins. Non, c'est parce que Oui, j'avoue, il est c'est un vieux, il est survivant. vieux, Je vieux, te l'ai dit vieux. avant-hier. Genre 20 ans. Presque 19. Ouais. Mon chien? Lilou? Oui. Là, je suis le mec, genre, je me rappelle Ouais, du tout. grave. Je sais pas comment tu l'as sorti celui-là. Quand tu mets ton bras, à chaque fois, je sens que c'est parce que tu sais pas Non, qui c'est que de maman jouer. il a 7 ans, 6 ans.
Même toi, tu sais même pas, tu me poses des questions, tu sais même pas. Je l'ai eu quand j'avais 18 ans et je vais avoir 28 ans. Donc il a 9 ans. Il va avoir 10 ans. Okay. Enfin, il va avoir 9 ans, 10 ans. Bref. C'est un chihuahua croisé. Oui, avec un... je ne sais quoi. Bah vas-y, pose-moi des questions. Quel est mon défaut? C'est parti en couille, cette histoire. Ton défaut, tu es trop radical. Ok. Ma qualité? T'es ma meilleure amie. Dis-moi une chose que tu remarques que j'aime faire tous les jours. Ça peut être dans mes mimiques ou dans ce que je fais en général. Bah, déjà. Par exemple, toi, aller au sport. Manger du chocolat. Toute la journée. Oui. C'est ta passion. Oui, c'est ma passion. Oui. Numéro un, c'est vrai. Tu m'aimes plus que le chocolat ou pas? Non, réponse sérieuse. Oui. Ah, oui, j'aime plus le chocolat que toi. Non, je vous aime pareil, c'est pas comparable. Ouais, c'est ça. Non, mais ça se compare pas. Pose-moi une question. Est-ce que je préfère... Je vous explique, j'ai improvisé un jeu parce qu'on attend Flo qui se prépare, donc on est en, ouais. On est en retard, on est en avance. Donc je lui dis, vas-y, on se fait des questions-réponses. Est-ce que je préfère Shake Shack ou Five Guys? Alors à la base, je préférais Shake Shack, mais en tournage, on l'a tellement bouffé que je pense que maintenant, c'est Five Guys. Ouais. Je te connais bien. C'est un frisbee le truc. Je crois que tous les deux sont ensemble, mais je suis pas sûr. Je gêne toutes les gars. Ah, vous êtes ensemble tous les deux ou pas? Non, c'est semblant. D'accord. Vite fait, ouais. Ouais, je crois que c'est... ça se voit pas trop. Ça se voit pas trop que vous êtes ensemble. Première tenue de chez Les Sœurs K. On a ce gros pull manche longue. J'adore parce qu'en plus, il peut se mettre vraiment tout seul. Il est hyper stylé, que j'ai pris avec une petite paire de bottines. Inscription au dos et devant, basique, petite manche. Moi, j'ai mis avec cette paire de bottines-là de chez Les Sœurs K. On est trop bien dedans. Elles sont zippées et matière un peu chaussette. J'aime trop. Ensuite, on a cet ensemble. Alors, j'adore. En gros, c'est une genre de petite chemise avec un short portefeuille, avec comme si c'était une petite jupe. Je trouve ça hyper mignon et très chic. Voilà, pareil, j'ai gardé la paire de bottines avec parce que je trouve que ça va très bien. Et c'est une matière vraiment hyper agréable à porter. Franchement, trop chou. Combi short en simili cuir, vraiment très jolie. Vous la ceinturez à la taille. Elle a un côté chic puisqu'elle est en simili cuir avec petit col V, manche retroussée ici. Enfin, franchement, elle est vraiment mignonne. J'adore. Petite robe, mais façon blazer. En fait, c'est un genre de blazer que vous ceinturez ici et qui fait robe. Enfin, je trouve ça hyper classe et en même temps hyper mignon. Vous pouvez mettre ça aussi bien qu'une paire de cuissards, de talons, de bottines. C'est super classe. On a ce genre de robe aussi. Alors, ce que j'aime, c'est déjà qu'il y a un effet coquille ici. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir une belle silhouette. Et pareil, les filles, vous avez le côté un petit peu flouté ici. Donc, vous pouvez toujours gratter un petit peu. Enfin, elle fait déjà même des trop belles fesses. Elle fait vraiment une trop belle silhouette parce qu'elle est gainante. Mais en même temps, vous pouvez jouer un petit peu avec ça pour camoufler des imperfections. Enfin, voilà, on connaît les meufs. Mais elle est vraiment classe. J'adore. Pour terminer, petite combi moulante qui existe en différents coloris sur le site Les Sœurs K. Donc, j'adore ce genre de combi. Vous le savez, zippé, vous pouvez l'ouvrir un peu pour un décolleté. Enfin, elle est vraiment, vraiment trop jolie. Il y a plein de coloris sur le site.
Donc je suis en train de faire cuire. J'ai mis à peu près une poignée de main de queue de cerise dans de l'eau bouillante. Je laisse pendant 10-15 minutes. J'attends que l'eau devienne bien orange. Et ensuite, je la bois comme une infusion. Et du coup, ça va m'éviter d'être ballonnée parce que je vous cache pas que j'ai un peu trop mangé. Du coup, j'ai filtré les queues de cerise et j'ai récupéré le petit jus. Donc voilà, j'ai mis dans ma petite tasse parce que j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Du coup, je vais la prendre avec moi dans ma voiture. Mais c'est trop stylé Wonder Nana. Donc vous avez vraiment différentes cures sur le site. Je vais vous récapituler un petit peu pour que vous puissiez savoir à quoi ça correspond. Moi, j'ai reçu le pack complet. Voilà, donc Adieu Kilo, cure express et queue de cerise.